Tiens, on a une ici, ça. Allez, dépêchez-vous avant qu'il arrive. Attention avec le jeu, on a dit. Bonjour les enfants. Eh ben, que de bien beaux dessins. Vous avez eu toutes ces idées depuis la dernière fois? Oui. Ah bah alors, vous êtes de sacrés artistes. Bon, bien, bien. Alors, ah oui, Frédéric Douglas. Frédéric Douglas. Alors, on poursuit l'histoire, ça vous dit? Bah alors, les enfants, qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais en fait, Paul, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils préféraient connaître ton histoire à toi. Ah, mon histoire. Bon, c'est l'histoire d'un enfant qui est venu de Côte d'Ivoire pour rejoindre son papa ici, en France. Ça vous a plu? Allez, continue. D'accord, mais la prochaine fois, on s'y remet. Les enfants, voici un nouvel élève dans votre classe, Paul. Il nous vient de Côte d'Ivoire. Il a fait un long voyage pour venir jusqu'ici. Je compte sur vous pour l'intégrer à vos côtés. Boisbert, encore vous! Taisez-vous! Boisbert, dans mon bureau! À cette époque, un enfant noir dans une école de blancs était plutôt inhabituel. Mais à votre avis, qu'est-ce qui m'a sauvé la mise à ce moment-là? Le football, tu connais le football toi dans ton pays? Bah bien sûr. Bah vas-y, montre-nous ce que tu sais faire alors. Donc, il faut se faire respecter sur le terrain. Et en dehors aussi, d'ailleurs. Vas-y, Alexandre. Mon grand frère m'a dit la même chose que toi. Sauf que lui, il fait de la boxe. Mon frère fait du basket. S'il vous plaît. On écoute Paul jusqu'à la fin de son histoire. Et surtout que la suite est une toute autre histoire. J'étais avec mon père, de son prénom Conan. C'était un homme strict, juste, mais surtout fier. Fier de sa belle voiture, ça oui, il l'aimait. Mais ce qu'il chérissait le plus, sans le montrer, était de m'amener avec lui faire les courses. On est arrivé, papa? Oui, mon grand, on est arrivé. Tu m'attends dans la voiture? J'en ai pas pour longtemps, j'arrive tout de suite. Pourtant, ce jour-là, je suis resté à l'intérieur. Et puis... Tu as vu à quoi il ressemblait, le tueur? Non, Baptiste. Je disais, il était de dos. Et pourquoi il a été tué, ton père?
Ah bien, tout simplement parce qu'il était de couleur. Mais voilà, tu es là, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions aujourd'hui avec Paul. On va sortir en récréation. Et ça va, Paul ? Ça va, ça va, ça va. Tant que c'est vous qui me posez des questions, ça va. Parce que il fut un temps où on me posait d'autres types de questions. Monsieur, arrêtez-vous s'il vous plaît, contrôle de police. Mettez les mains sur le capot. On peut savoir où vous alliez comme ça ? Attends, Paul, on va faire ça à deux. Je vais t'aider. C'est gentil. Et c'était le bon choix de ne pas raconter plus que ce que tu n'as fait. Merci. C'est enfant, mon père me disait, moins on en dit, mieux on se porte. On devait se faire discret si on voulait se faire une place. On peut savoir où vous alliez comme ça ? Je viens de... Qu'est-ce qu'il voulait faire, là ? Oh ! Bouge pas ! Pas moi ! Bouge pas, je te dis ! Pas à moi ! Ça peut pas m'arriver !